Néocène, vas-y, viens, viens. Viens, viens, je te dis. Vas-y, m'énerve pas. Oh putain! Qu'est-ce qui lui arrive? Tu m'as tombé pas! Quoi? On m'a fait un grognement! Wesh! Non, y'a pas un nouveau miroir. Eh hey, mais je viens de là. Oh mais il me suit mais... Putain. Ah putain, je te vois. Arrête toi. Il me fait aller où il veut là, il me manipule. Il me fait aller dans la forêt. Il va me prendre dans un coin. Du coup, vous seriez intéressé pour le pénis du Père Noël? C'est quoi? C'est pour offrir, c'est ça? Oui, c'est pour vous, ça fait cadeau. Alors après, voilà, je veux bien vous faire l'envoi. Y a pas de souci. Par contre, parce que vu que le prix, c'est quand même 950 €, hein, le pénis du Père Noël, c'est pas rien. Malheureusement, je vais pas pouvoir. Enfin, il y aura des frais de port supplémentaires, quoi. D'accord, y a pas de souci. Donc. Tous les points supplémentaires, je les prends à ma charge, vous entendez? Avant que madame s'en serve, il vaut mieux le sortir 12 heures avant. Parce que voilà, il n'y a pas de notice, hein, malheureusement, voilà. Il a déjà été utilisé, par contre. C'est pas énorme, hein, c'est pas du neuf, hein. Oui, c'est pas un problème, j'ai vu l'article sur le bon coin et il m'intéresse. L'état me convient. Ouais, il fait quand même 18 cm, donc ouais, c'est... Il est quand même vraiment pas mal, quoi. Après, du coup, vous allez l'utiliser vous aussi ou pas? Oui, je l'utiliserai aussi. L'article m'intéresse beaucoup. Ok, alors n'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour me dire les sensations que vous avez éprouvées. Hein. Putain! Non, je peux pas le prendre là, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer. C'est bon, je suis allé loin, je suis retourné, il m'a attaqué, c'est bon. S'il vous plaît. Non, je veux rentrer. Ah ! Grosse pute ! Putain ! Tu me saoules ! Je me casse, moi. Ah ! Putain ! J'en ai marre. Non mais non, écoute, là, elle me donne chaud, là. J'en ai marre, ce jeu. Il me prend trop. Je comprends, cher monsieur, comme je viens de vous expliquer, je suis navré par rapport à ça. S'il y a un technicien disponible, je transfère votre... Donc, il vous rappelle maintenant. Mais me criez pas dessus. Moi, je suis une victime de l'Internet. Je suis pas en train... Non, je suis pas en train de crier, juste je suis en train de vous expliquer, parce que moi aussi, à mon niveau... je suis navré, bien sûr, j'aimerais pas vous laisser donc avec ce blocage au niveau de l'ordinateur. C'est très gentil de votre part quand même. Parce que bon, je sais pas comment faire. Je crois que je l'ai jeté à la poubelle, mon petit ordinateur, parce que là, ça va durer. Dans tous les cas, de mon côté, je viens de remonter ça. S'il y a un technicien disponible, il vous rappelle. D'accord. Mon ordinateur. À ce niveau-là, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente soirée. Elle est pas très bonne soirée, madame. Mon Merci, ordinateur. Au revoir. Non. Monsieur Villoc, vous avez oublié de raccrocher. Mais vous avez qu'à raccrocher. Moi, je vais me suicider de toute façon. Donc, à ce niveau-là, je suis obligée de mettre fin à la communication. Bonsoir. Oh non, vous êtes vraiment méchante. On est où? Je m'y attendais vraiment pas. Non, là j'ai la salle, c'est pas cool. Ah, God. Attends, laisse-moi respirer. Mais
qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? Elle arrive à jouer. Putain! Oh non! Ah, c'est bouché de mort! Oh putain, je voulais juste récupérer mon thermomètre, bordel! C'est les pires morts! Quand tu vois dans le miroir, genre là, que je me tourne. Ah, elle y est. Putain! On va dans le sous-sol. Y'a un mec! Il me faut le... Ah, putain! Je sais plus où aller. Are you afraid of the